Hey, salut tout le monde. Donc, comme m'a demandé Nolwenn, désolé, hein, j'ai un peu la voix cassée et tout ça, elle m'a demandé comment on insère la carte SIM dans la montre connectée. Donc là, je vais vous montrer. Donc, on enlève déjà le capuchon, la batterie. Ici, vous voyez, il y a le petit socle. On le tire vers le bas. Voilà, pour pouvoir le soulever, le socle. Donc comme ça, on peut le soulever. Alors, il faut savoir que la carte SIM, donc dans le livre, ils disent qu'il faut une micro SIM. Donc voilà, la micro SIM, elle est là. Maintenant, moi, je vous conseille de mettre avec le support. Donc, vous voyez, ça, c'est la carte SIM. Là, c'est le support. Attends, je vais mettre Jordan. Voilà, vous mettez avec le support comme là. Ici, vous arrivez. Attends. Vous mettez votre carte SIM directement dedans. Voilà, comme tu as dit, Jordan. Voilà, comme ça. Vous la mettez, vous la clipsez au bon endroit. Vous remettez le socle et vous retirez vers le haut pour clipser le socle. Et donc là, votre carte SIM est bloquée à l'intérieur. Donc c'est le seul moyen. C'est vrai que c'est assez compliqué. D'habitude, on met à l'intérieur du socle. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Normalement, on le met à l'intérieur, ici. Sauf que là, ça bouge. Donc, l'idéal, c'est de mettre directement dedans. Merci, Jordan, de vouloir m'aider. Donc, vous placez votre carte SIM dans ce sens-là. Vous mettez le socle. Et après, vous appuyez. Voilà. Et là, elle est en place directement. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye!